Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Bavois pour vivre avec vous la dernière journée du tour final. Quel parcours exceptionnel pour Bavois qui finalement n'aura pas obtenu sa qualification immédiate pour la Coupe de Suisse faute à une défaite face à l'équipe de Cham. Mais alors, quel parcours et quel regret aussi avec les occasions nombreuses qui ont été celles des Bavoisans lors du match face à Cham, de ne pas s'être imposé là-bas. Il y avait largement de la place pour le faire, mais il faut saluer la performance cette saison des joueurs de Bavois qui ont l'occasion, en s'imposant face à Carouge, de terminer dans le top 4 de ce championnat. À ce cuir contrôlé par les joueurs de Carouge avec Correia. Il vient devant lui, une petite louche, c'est très très bien joué, la tête. Oh, la parade magnifique signé Enrico là, et quelle louche de Chapuis pour son coéquipier, cette frappe de la tête et la parade du dernier rempart qui met ce ballon encore. Ballon contrôlé par Mizic. Mizic, il va remettre tranquillement derrière lui, sans s'affoler. Attention, anticipation encore une fois là avec ce cuir récupéré par Boussa. Le tir de Boussa, c'est repoussé. Des points par Robin Enrico. Très belle intervention encore une fois du portier vaudois sur cette action de Carouge qui pour le moment depuis 11 minutes là fait le jeu, se crée les meilleures occasions dans ce début de rencontre. Sur Mizic qui peut repartir à l'offensive. Lovaco, il s'avance, il n'est pas marqué. Lovaco, la frappe, et c'est par-dessus le but. Le portier chapeau semblait sur la trajectoire du ballon, mais quelle belle offensive l'a proposée par les joueurs de Bekimuka. Alvarez, il va revenir derrière lui. Mizic, on ne s'affole pas. Lovaco qui contrôle ce ballon, qui le met à côté de lui avec Özdemir. Mizic, la passe de Mizic, déviée par Talovic. Ouais, très belle intervention défensive également là, de la part des Carougeois. Par l'intermédiaire de Kürsner, il y avait gros danger là, avec la présence de Talovic dans les 5 mètres. Alvarez, le crochet d'Alvarez, le joli coup de rein là, pour se donner un petit peu d'espace. Il met ce cuir en profondeur sur Talovic. L'arbitre estime qu'il n'y a pas de faute sur le numéro 18 Bavoisan. Extrême limite là sur cette intervention de Sarr. Une petite poussette, l'arbitre estimait que ce n'était pas suffisant là, pour montrer le point de pénalty. Ballon contrôlé par Mizic. Lovaco, petite balle piquée, c'est bien joué sur Alvarez. À la lutte avec Sarr, Alvarez. Le crochet d'Alvarez, c'est bien joué, le tir, premier poteau, c'est le but. Ouverture de la marque, 1-0 pour le FC Bavois. Le bon travail face au défenseur et capitaine de la formation de Carouge et Alvarez qui profite de ce coup de rein pour inscrire la première réussite de la partie. Quel joli but! Quelle belle manière de conclure cette saison, de la manière dont le fait Alvarez en marquant ce but pour sa formation à des animateurs de ce tour final. Ce ballon aérien et Talovic qui peut en hériter. Talovic qui laisse à côté de lui. Ballon dans la profondeur. C'est bien joué sur le flanc droit là pour Alvarez. Alvarez qui rentre dans les 16 mètres. Alvarez le centre. La reprise de Talovic, c'est 2-0 en 3 minutes. L'équipe de Bavois prend deux longueurs d'avance. Ah, c'est très très bien fait là de la part des Rouges. Et ce gros travail là sur le côté droit d'Alvarez, encore une fois qui centre pour Talovic. Et Meris Talovic qui inscrit le 2-0 dans cette 21e minute. Et ce corner, attention, les balles arrêtées. Cet avantage de 2 buts pour le moment. Un ballon très long mis au second poteau avec une tête. Elle va passer à côté du but. Pas de danger sur cette frappe de la tête de Kürsner. Alvarez, encore et toujours omniprésent dans ce début de match, qui met ce cuir sur Talovic. Le décalage de Talovic pour Lovaco. Il y a une petite faute sur Talovic. Le tir de Lovaco, l'arbitre qui a laissé l'avantage. Et on est passé assez proche du 3-0 là, sur un très bon tir proposé par Lovaco. Après les premières minutes, c'est mouvementé, où Carouge avait pris le jeu à son avantage. Les Bavoisans ont finalement réussi ensuite, avec cette frappe de la tête, ont réussi ensuite à prendre l'ascendant sur leur adversaire. Un ballon sorti qui a été détourné. Alvarez, toujours sur son flanc droit. Là, il va revenir en arrière. L'option de reculer avec ce ballon. Lovaco devant lui. Avec Mizic qui va glisser sur Talovic, ça fera pas plus un premier poteau et c'est but, c'est 3-0, le doublé de Meris Talovic, frappe puissante au premier poteau et le portier chapeau qui est battu pour la troisième fois de la rencontre. Très jolie réussite marquée par Meris Talovic, ça rigole sur ce dernier match.
Les sourires des joueurs en disent long hein, sur leur état d'esprit tout au long de ce tour final et de cette très belle victoire provisoire là, face à Étoile Carouge sur cette marque de 3-0. Ce ballon hein, mis en avant, on va chercher des solutions avec ce cuir qu'on glisse aux avant-postes pour des Carougeois qui se portent à l'offensive. Et un tir puissant alors qu'il passe à côté du cadre. Dieu que c'était intéressant là ce qu'ont proposé les Carougeois. Cette frappe puissante de Chapuis qui passe à côté du but défendu par Robin Rico. Izani, ouais, au duel avec son adversaire. Ballon Carougeois. Kürzner qui va immédiatement prolonger sur Boussa. Boussa qui revient sur Kürzner. C'est très bien joué là de la part des Carougeois avec ce ballon premier poteau. Et finalement ce cuir dégagé avec notamment la présence de Kazaï pour reprendre le cuir en deuxième intention là, après le centre de Kürzner avec un carton jaune. Un carton jaune distribué à Chapuis. Petite balle piquée, encore une fois, on va chercher Kürzner aux avant-postes. Ballon qui a tenté de dégager sur cette action, Meriton Izeni. Et gros duel dans les 16 mètres, encore une fois. Ça a été très très chaud et ça repart par Alvarez. Alvarez qui va remonter comme un beau diable, tout le terrain. Alvarez, le crochet, c'est bien joué, le tir. C'est sauvé du pied par le portier Chapeau. Qui peut détourner, on est reparti très très vite aux avant-postes, là, côté Bavoisan. Alors, mi-flanc droite, appel de balle hein, des coéquipiers qui se proposent. On fait bien circuler ce ballon avec cette entrée dans les 16 mètres. Tir, oh, l'arrêt magnifique, signé Enrico, là, sur cette percée de Correa. Grosse opportunité de réduction de la marque, là, pour les Carougeois. Et finalement, c'est encore une fois Robin Enrico qui peut s'interposer. Alors que Meri Stalovic lui va céder sa place, auteur de deux buts aujourd'hui. C'est une des révélations de ce championnat de Promotion League. Il est remplacé par Andelko Savic. Et on repart. Encore une fois, on n'a rien lâché. Hein, du côté d'Étoile Carouge, continuer de travailler. Kürzner, accélération, rentrée dans les 16 mètres. Le crochet, c'est bien joué. Kürzner, encore et toujours, avec le tir. Il est repoussé. Kürzner, deuxième tentative et deuxième arrêt. De Robin Enrico, décidément, il la veut, son invincibilité sur le match du jour. De Boussa, il est perdu, Lovaco, Alvarez, entré dans les 16 mètres, le centre, et un ballon repoussé qui passe de très très près à côté du but. Là, c'est Mbaki là, qui a mis ce ballon en corner. Il est venu enrhumer le poteau gauche du but du portier Chapeau. Ça fait un petit coup de frayeur, vous me direz à 3-0, il n'y a plus beaucoup de frayeur. Mais on est passé vraiment très proche du 4-0. Le contrôle de ce cuir avec Mettler qui va le remettre à côté de lui. Le centre tendu, un ballon qui passe devant tout le monde. Récupération Correa. La frappe de Correa, c'est repoussé des points par Enrico. Intraitable sur le match du jour et qui fait encore une parade décisive. Enrico au dégagement joue les 10 dernières minutes de cette rencontre. Elle est très longue cette balle. Mizic qui va talonner derrière lui la frappe et l'intervention de Chapeau. Très bel arrêt du dernier rempart carougeois alors que Kazaï peut relancer et mettre ce ballon devant lui sur Alaï. Ballon dans le couloir, et déviation de la tête de Gürkan Özdemir, montée de Mizic, il a du soutien au centre, Mizic, avec la passe en retrait, c'est bien joué, le contrôle, le tir, et c'est sauvé du pied encore une fois sur cet envoi de Loan Buch. Quelle grosse occasion encore pour les joueurs vaudois, et l'arrêt finalement de Chapeau. La remise en jeu pour Meriton Izeni qui avait joué ses premières minutes hein, du côté de Cham. Avec le contrôle de ce ballon et la frappe finalement du nouvel entré. Diallo là qui a tenté, ça passe juste par-dessus, hein, c'était bien essayé. Et renversement du jeu, et Mizic encore une fois qui vient récupérer cette balle. Mizic le débordement, Mizic le tir et l'intervention de Chapeau. Démonstration des gardiens, hein, de très très belles parades de la part des deux portiers. Et la relance pour Fernandez. Meriton, Izeni, remise en jeu pour le défenseur. Izeni, oh, l'intervention sur cette récupération du ballon. Boussa qui prend un carton jaune. Mais pour moi, c'est jaune foncé. Là, il est venu appuyer ses crampons sur le tibia de son adversaire. Là, c'est extrêmement limite que cette intervention du numéro 9 carougeois. Le contrôle
de Correia. Correia qui va mettre ce cuir à côté de lui. Mettler, le décalage de Mettler. Va revenir sur le centre avec un ballon qui va passer à côté du but d'Enrico. Encore une fois, belle tentative là, de la part des joueurs de Claudio Morelli. Et l'arbitre qui met un terme à cette partie sur cette victoire 3-0 de Bavois, auteur vraiment d'un superbe tour final. Merci messieurs, vous nous avez fait vibrer, vous avez fait vibrer mes cordes vocales. Il y a eu des moments absolument magiques. Au bout du compte, eh bien une quatrième place finale pour le FC Bavois, brillant dans ce championnat et qu'on se réjouit de retrouver très bientôt dans ce championnat de Promotion League. Avant cela, il y aura mercredi un match très important également. C'est un tour qualificatif qui donnera accès en cas de victoire au premier tour principal à la formation bavoisane. Il faudra pour cela battre Munzingen. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match. Allez, avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce match du jour et ce succès 3-0, mais également sur la magnifique saison réalisée par les hommes de Bekibuka. Sur l'ensemble du championnat, c'est vraiment une très très belle saison. Du début à la fin, on a toujours été dans le coup. On a pris beaucoup de plaisir aussi. En tant qu'équipe, collectivement, ça a été bon, très bon. Le seul regret, c'est de ne pas avoir pu finir dans ces trois premiers, chose qu'on aurait pu faire. Mais voilà, si on regarde d'où l'on vient, une quatrième place en première ligue promotion, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour ce club. On a fait des bonnes séries, malheureusement, beaucoup trop de matchs nuls. C'est ça qui nous a un peu fait défaut. Mais sur l'ensemble, année après année, on arrive à viser un peu plus haut. L'année prochaine, il faudra confirmer parce qu'on sera attendu certainement. Et il faudra répondre présent. Mais là, il nous reste encore ce match de qualification de Coupe Suisse pour vraiment bien finir. Et puis là, la saison, elle sera amplement réussi. Vous apportez beaucoup à cette équipe, et vous avez joué aussi en plus haut niveau, à Sion, si je ne me trompe pas, à Lausanne aussi. Vous avez quand même joué, vous apportez pas mal à cette équipe. Tout seul, je peux rien faire. Hein. Je suis bien entouré. J'ai des jeunes qui sont à l'écoute, qui ont envie de progresser. Donc ça m'aide aussi à encore rester à 36 ans à ce niveau-là. Mais moi j'amène mon expérience, ma pierre à l'édifice. Tout le monde est concerné, on a un groupe qui était vraiment très, très bon cette année. Et puis ça s'est ressenti sur le terrain. Donc il y a eu un maximum de plaisir personnellement déjà. Et surtout, je vois tous les joueurs qui sont battus tout au long de la saison. Et ça me fait plaisir. La suite pour Arnaud Bouler, c'est de rester à Bavois ou bien de changer l'air? Non, changer, c'est juste de savoir si je continue ou pas. Personnellement, c'est le jour où le corps dira stop que je m'arrêterai. Pour l'instant, ça va très bien. Et quand il y a des bons résultats sur le terrain, ça aide aussi à ce que ça continue. C'est vrai que c'est une magnifique saison. Fini quatrième, c'est magnifique. C'est vrai qu'on pouvait finir même troisième et puis deuxième. Mais bon, il n'y a pas de regret, ma foi. On est là à quatrième place. Je félicite aux joueurs vraiment qu'ils ont fait une magnifique saison. Pas facile après tous ces pauses, mais voilà, chapeau aux joueurs. Ouais, on a vu aujourd'hui de nouveau 3-0 contre Carouge à Carouge. Bon, c'était pas peut-être mérité. 1-0, vous n'avez pas pris de but contre Carouge, qui est pourtant une excellente équipe, aussi bonne que Cham. Ouais. Non, ça c'est sûr, c'est une belle équipe en face, mais c'est vrai qu'ils étaient peut-être un peu absents, mais bon, on a joué le jeu jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'avais demandé aux joueurs cette semaine. Puis voilà, parce que bon, il y avait une place en jeu quand même. Passer devant et puis c'est fait. Voilà. Le positif, là, comment on peut tirer le positif de cette saison? Avec les difficultés que ça a entraîné. Bien sûr, il y a beaucoup de choses positives, vraiment plein de choses. Vraiment, on a eu une super ambiance, super passage. De plusieurs matchs, on ne perdait pas. Et puis c'est vrai que peut-être il manquait un petit peu d'efficacité devant le but, mais on a retrouvé ce tour final. C'est vrai qu'on a... On a marqué plusieurs fois en 2-3 buts et puis c'était ça qui manquait peut-être au premier tour. Mais globalement, il n'y a que de positifs cette année. Le petit regret que vous auriez, c'est quoi exactement aujourd'hui? Non, je n'ai pas de regret. Peut-être même passé que ma foi, on a passé peut-être un petit peu à côté. Et puis avec une victoire là-bas, qu'on était sur le bon chemin, en tout cas 30 minutes, on pouvait finir le deuxième. Mais bon, il ne faut pas... Oui, mais voilà. Une défaite. Hein, sur les 8 matchs, hein, si je ne me trompe pas. Sur 7 matchs, une défaite et vous finissez quatrième. C'est quand même terrible ce classement.
Non, ça va, parce que moi, c'était serré quand même. À Paris-Verdun, qu'ils sont décrochés, ça fait un moment. C'est vrai que les autres, ils étaient là. On gagnait un match, on était deuxième, troisième. Pas deuxième, mais en tout cas troisième. Perdant, on tombait à la cinquième place. Mais finalement, quatrième place, magnifique, magnifique. Voilà, Bekim, la suite pour vous, qu'est-ce que ça va être? Vous signez quand même pour 10 ans, ou bien? Non, on va continuer, Moi, je me sens bien ici. Je passe de super moments, j'ai un super rapport avec le président, j'ai toujours son soutien. Et puis voilà, l'équipe, l'ambiance, elle est bonne, les résultats ils sont là. On m'a dit que vous jouez aussi avec les seniors. Ouais, de temps en temps. Et vous marquez des buts. Ouais, toujours.